Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pro Cycling Manager 2015 en mode pro cycliste. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va faire quelques étapes, celles-là que nous n'allons pas faire, étant donné que c'est du pavé, nous ne sommes pas bons en pavé, et qu'en plus on n'est pas forcément en forme. Désolé si vous entendez du bruit derrière moi, c'est les chats qui jouent, ils font les feux, on n'est pas du tout favoris. Ah si ? Pourquoi on serait favori? Parce qu'on est bon en vallon et c'est censé être une étape de vallon. Ouais, mais quand même, faut pas non plus déconner là. Il y a quand même beaucoup de pavés là. Alors, du coup, je sais pas si je la joue, tu vois. J'allais pas la jouer. Mais du coup, là, j'ai un doute. Ah, mais bon, avec mon niveau exceptionnel de fail, je risque très probablement de me planter. En tout cas, il faudrait que je sois bien placé à la fin du dernier secteur pavé. Ce qui me paraît relativement compliqué, mais allez, on peut essayer. On est parmi les favoris, sinon je l'aurais pas joué, tu vois. Je l'aurais pas joué. Mais allez, si le jeu nous dit qu'on est dans les favoris, c'est que on a théoriquement le potentiel de pouvoir faire quelque chose. Donc, bah, va-t-on essayer, hein, ma foi. Va-t-on essayer, même si les pavés, ça risque de faire très très mal. Mais peut-être que nos caractéristiques de plaine, enfin de vallon plutôt, parce que de plaine on n'est pas très très bon, de vallon plutôt, et un petit peu de montagne pour peut-être nous aider. Dans le montagne, ça m'étonnerait que ça nous aide beaucoup, mais on verra bien, on verra bien. Surtout qu'il n'y a pas non plus des trop trop gros clients en face. Donc peut-être pourquoi pas. Non, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens plus importants que ça, mais... Alors c'est aussi une étape importante pour un de nos coéquipiers là, une étape objectif pour lui. Mais bon, on est censé être, on est là en tant que leader, donc on va essayer, hein, on est dans les favoris. Par contre, ce qu'on va rester, on va rester dans le peloton pendant tout le temps. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Cette course présente des secteurs pavés réputés pour mettre à mal les vélos et les organismes. C'est un véritable exercice de style. Hop, on va se mettre comme ça. Nous, on va rester tranquillement à l'avant du peloton. Et ça commence déjà à attaquer. On tente sa chance de loin. C'est un bon mec de pavé. On va suivre tout ça parce que... On va suivre un peu tout le monde, hein. Parce qu'apparemment ça attaque déjà un petit peu. Je sais pas lequel j'ai suivi en fait, mais... Il y en a un qui est parti comme un fou. Hein. Il y en a un qui est parti comme un dingue. On va le laisser filer, hein, puisque... C'est que ce que le peloton décide... On accélère maintenant devant. On est un petit peu loin, mais c'est pas grave, on va suivre. Bon, allez, non, on se relève. On va rester tranquille dans cette étape. On va rester relativement tranquille. On va suivre un peu la masse, pourrait-on dire. Sans trop s'affoler. Notre collègue, là, il est bon au pavé? Non, il est pas bon au pavé. On est un peu trop rapide par rapport au peloton. Non, mais en fait, ils se sont fait reprendre de suite. Comment ça finit? Ouais, ça peut peut-être nous aider, nous avantager au niveau de la côte à la fin, mais... Plus de 2 minutes, le peloton semble laisser filer. Ça me semble un peu compliqué quand même. Ça s'agite à l'avant. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. C'est un secteur pavé de niveau 1 et de niveau 1. Ah, pourquoi pas? J'aurais pensé que c'était un peu plus élevé que ce genre de... On va se mettre à 80, on va suivre un peu parce que ça roule, hein. Ça roule mine de rien, ça roule tout ça. Moi, mon coéquipier, il roule relativement bien. Donc je vais rester avec lui, parce qu'il m'a l'air d'être assez chaud.
se met à 80, mais manière de dire que voilà, on reste dans la tête. On va descendre à 70 tranquillement. Pas trop prendre devant. 48, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal devant. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Donc on va s'effacer dans la masse. Secteur pavé, ils sont là. On les a vus sur le côté. Donc ici, qu'ils sont peut-être, s'ils sont que niveau 1, on a peut-être une chance, mais peut-être si on fait la différence avant les pavés, même après on aurait le risque de se faire rattraper sur les pavés. En tout cas, ça roule, hein. Les gens, ils sont chauds. On va se mettre derrière lui, là. Derrière le mec de la Quick Step. Se mettre à proximité parce que voilà, je vois qu'il est là, au cœur du peloton depuis tout à l'heure. Donc. Allez, on accélère. 4 minutes quand même pour l'échapper. C'est quand même une très très longue étape. Un petit peu trop devant peut-être dans le peloton. Peut-être aller hop, chercher un mec un peu plus derrière. S'accrocher un mec un peu plus derrière. En tout cas, on nous protège. Il y a Janssen qui nous protège. Voilà, là peut-être on est peut-être un petit peu mieux. En plus, ils se mettent à pleuvoir. On va se mettre derrière lui là. Voilà. Pas très très loin de lui, comme ça, voilà. On est dans la masse. On est dans la masse. Hop. On va rester dans la masse tranquillement. Voilà, là on est bien. Là on est bien couvert, là, par tout le monde. Le monde entier nous couvre. 6 minutes 55 quand même. Ça descend maintenant? Ah non, ça remonte. C'est pas dans les pavés qu'on va pouvoir bien les rattraper, donc on a intérêt à se manier, nous. On est comment niveau forme? On est plutôt pas mal. On n'a pas bougé. On a une flèche relativement moyenne. Bon, vu que ça reste comme ça, on prend un petit plus 1 peut-être. On prend un petit peu de temps, mais ça reprend doucement quand même. Il y a mon équipe qui prend les choses en main. On va regarder par rapport au coureur qu'il y a. Ah, ils sont que deux en plus. Il y a un mec qui est pas très très bon pavé, l'autre qui est un peu meilleur et qui est pas mal en pleine. On arrive à la moitié de la course. C'est le moment propice pour se ravitailler. Pourquoi pas. Celui qui est bon en pavé devant pourrait faire quelque chose. Même s'il y a seulement deux, c'est vrai qu'ils sont pas nombreux. Et ça peut faire la diff. Là, on est passé à moins 2, quoi. L'arnaque. Le peloton semble avoir réagi et reprend du terrain sur l'échappée. On va se remettre un peu plus vers l'avant. Petit à petit, on remonte. Voilà. Quick Step qui prend les devants aussi. Allez, on accélère, 4 minutes. On va descendre un petit peu notre... Voilà, là on est bien. On est à moins 2, alors qu'on a un mec avec nous qui a plus 5. On peut pas être à plus 5, nous. C'est pas possible en fait qu'on soit à plus 5. On arrive dans les secteurs pavés. On va ralentir un peu. Les secteurs pavés vont nous faire souffrir. Non, quoique pas trop. Pas trop, ça va. Alors, qu'est-ce qui ressemble au profil de la fin après l'étape? D'accord. Donc là, on va voir. On a un premier secteur pavé qui va arriver, hein, là où on est. La barre noire, hein, la petite barre noire qu'on voit. Chute, il semblerait
qu'il s'agisse d'un leader. Chute d'un coureur dans le peloton. Ah. Heureusement qu'un autre n'a été touché. 19 coureurs quand même qui sont tombés. Voilà, là, alors on a un petit secteur pavé, donc ensuite on continue, ça descend. Ça descend, voili voilou. Et après ça va remonter. Certaines équipes ne doivent pas remonter secteur pavé. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Voilà. Donc ça, ça constituera le dernier rush d'arrivée. Hop là. Là, il va falloir... Là, il faut suivre. Et ici, ça correspondra à peut-être le temps qu'on aura pour faire la différence. Au niveau de l'arrivée, si on arrive relativement groupé, on aura ça pour faire la différence. Il me semble qu'on a déjà fait une course dans ce style-là. En tout cas, ça me dit quelque chose. Dans un groupe de 28. Moi, je vais aller me chercher à Vito. Hein. Je sais pas vous. Ah, ça va, on est passé à 0. On est dans une côte, donc ça me permet en plus de... Ah, merde, on est revenu avec tout le monde. Janssen, il est où? Ouais, oh, il est vachement loin. Ah ouais, mais... Ah, mais ça va, on a pu récupérer. On va même ramener les bidons à notre pote. Ne devait pas apprécier l'échappée du jour, au vu de la montée en rythme du peloton. On a même récupéré des bidons pour notre pote, ça c'est cool. 70, on va se mettre à 65. Ils sont à 2 minutes 5 devant. On va rester à 60 tranquillement. 36 km il reste. On va rester à 70 parce que ça roule quand même. Hein. Ils roulent comme des cochons les gars. Parce qu'ils veulent rattraper devant. Tout simplement, ça veut rattraper la tête de course. Allez, 1 minute 20 et quelques. 20. En tout cas, c'est parti, là. C'est parti, mais un truc de fou, là. Il y a un groupe qui s'est formé. On est à 37 d'un groupe. Ça va, on a recollé le groupe. On va aller chercher le mec devant. Et ils sont devant. Ils sont encore devant, les salopios. Voilà, ça là, il y a souvent des risques de cassure par ici. Parce que... C'est vrai que je trouve qu'ils accélèrent comme des gros cochons. Une 08, une 09, ouais, mais il faut quand même y aller, les gars. Hein. On va se mettre par là, pas trop loin. Il y a du vent quand même un peu. Équipe Quick Step qui est là. On s'est mis dans la roue de Hansen. On va encore accélérer. Ils sont qu'à 41 devant. Donc on devrait les reprendre à 24. Il faut qu'on reste bien dans le groupe là. Il est parti tout seul. Là, par contre ça va nous flinguer ça. Ça nous a flingué effectivement. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Ne jamais attaquer dans les pavés non plus. Je peux pas sûr. Non, je peux pas sûr. Je vais attaquer tant que je peux attaquer. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Putain, là on est en train de se faire. Attention, un leader est décroché. Oui, c'est moi qui me fasse décrocher là. Putain, j'y arrive plus là. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Encore 10 km à parcourir. Là qui sont fatigués, ouais non. On n'arrivera pas, t'es fou. C'est trop dur. Ils y vont trop comme des dingues en fait. Donc. Parce que même là, je suis en train de me fatiguer parce que je roule.
encore 5 km à parcourir. Voilà, je suis en train de me crever. Les parce... énormément sollicités sur les secteurs pavés et des cadres spécifiques ont été adoptés. Ouais, là ça va être chaud quand même. Hein. Je vais essayer de tout donner dans la fin, mais ça va être tendu. Il y a quand même un bon groupe là. Il y a des bons spécialistes. Je peux même plus attaquer. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Putain, ils sont chauds les gars. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Une victoire de plus à son palmarès. Il a su gérer la pression de ses compagnons d'échappée. Là, je peux même pas sprinter. Je peux même pas sprinter, j'ai plus de jus. C'est pas grave. On finit dixième quand même. Une place honorable, même si on aurait peut-être pu espérer mieux, mais ouais, c'est comme je le sentais, ça me paraissait quand même assez chaud. On finit dixième, hein, c'est toujours ça. Mais quand il y a des courses pavées comme ça, les mecs ils y vont, mais comme des dingues quoi. Voici maintenant les meilleurs moments et les points forts de la course qui retiendront probablement votre attention. Ils y vont comme des foulés. Hein. On finit dixième à une 15. Allez, on va avancer jusqu'à la prochaine course. La prochaine course, je pense que je suis pas sûr de la vouloir la jouer parce qu'elle est pas très très grande. Ah, 150 €, on a gagné. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Tour de l'avenir, et en ce moment, il y a un tour espagnol, j'ai pas vu ce que c'était. La Vuelta, c'est la Vuelta qui est en cours, tout simplement. Bon là, de toute façon, la fin de saison va se passer relativement vite. On a bientôt fini cette première saison, hein, qui ma foi était relativement longue. On a une petite course dans la semaine. Ah. Un tour du Canada et j'y suis même pas. J'aurais bien voulu y être, quoi. Quand même. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir faire le tour du Canada. 3 septembre, alors le 5, on a une course à Bruxelles. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme course. Mais je crois qu'elle n'est pas très intéressante pour moi. Bruxelles classique. Ça va être celle-là. Voilà, voilà. Hop, on va s'enlever ce mail. Donc la Bruxelles classique, c'est quoi? Ouais, c'est une course qu'on ne va pas faire du tout. Puisqu'elle ne correspond pas à un nain qui est sélectionné, mais qui a des maux de tête. D'accord. Ouais, c'est pas du tout une course qui va nous... Voilà, Tom Bonin en plus. Voilà. En voyant les mecs qui sont là... Mark Cavendish, on peut se dire que c'est pas vraiment une course qui est faite pour nous, donc on va la simuler. Et on finit 72e à plus 0. Ça fait plaisir. C'est comme si on finissait premier. Parce qu'on a plus 0. Allez, maintenant on a un long chemin à parcourir jusqu'à là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler jusqu'à là-bas. C'est vrai que c'est un train un peu long. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite pause et je vous reprends quand j'ai fini de charger tout ce temps-là parce que ça va faire un peu long sinon. Allez, à toutes. Heureux. Donc on se retrouve. Donc on peut constater que bah, pendant le chargement de ces semaines passées, bah, je viens de passer niveau 15. Et du coup, en fait, on n'a pas bien progressé en fait.
On n'a pas beaucoup progressé, pas autant que ce que je pensais. Ouais. On aurait dû plus avoir de récupération, d'endurance. C'est bizarre. Pourtant, voilà, ça devrait maximiser la récupération. Et pourtant, on n'a pas bien pris en récupération. Bon, c'est pas grave, on est passé niveau 15 en tout cas. C'est toujours ça. C'est toujours ça, on commence à avoir quand même une bonne fatigue. Mais bon, c'est la fin de la saison, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc on est, voilà, le Grand Prix de Wallonie. Qui est une course comme ça, qui est une course à notre portée, pourquoi pas. Ça dépend, est-ce qu'on est dans les favoris? On est dans les favoris, totalement. Totalement dans les favoris. Parce qu'on a un beau 79 de vallon, ce qui est plutôt pas mal. On n'a qu'un 73 de montagne. Et un 65 de plaine, ce qui est pas énorme, mais bon. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va se la jouer celle-là. Par contre, on n'est pas du tout dans le bien. On n'est pas du tout dans le bien. Donc ça risque d'être relativement compliqué. Et on a fait allez, 15 jours sans faire de compète. Donc on est plus vraiment. On est plus vraiment dans les clous. Ça risque d'être compliqué. Pourtant, c'est une étape qui pourrait être intéressante. Donc on va quand même essayer. Parce qu'on n'est pas non plus là pour rien foutre. On va essayer. On va essayer. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur les quelques dernières côtes qu'il y a à la fin. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout en forme. Hein. On a une bonne fraîcheur, mais on n'a pas du tout un bon rythme. On a de la forme qui est un peu moyenne. Et après, il y a une grosse flèche vers le bas, là, une flèche rouge vers le bas. Bonjour à tous. Le profil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Ouais. Ça monte quand même sympathiquement sur la fin, quoi. Il faut être honnête. Ça risque d'être un peu compliqué, donc ça fait qu'on va pas attaquer comme un malade mental. Hein. On va tranquillement se positionner au plein cœur du peloton. On va laisser partir les attaquants parce qu'on s'en branle. Hop, on va se mettre comme ça. On va essayer de maintenir notre position. On va se mettre à 80. L'écart augmente. Plus de 2 minutes. Peut-être aller un peu plus vers l'avant. Merde. Hop. Voilà, on va peut-être avancer un peu plus. On trouve un peu loin de la tête de course. On est 157 quand même, il y a du monde pour faire cette course. J'ai mes collègues qui sont devant. Et il y a une échappée qui est tout seul. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Il s'appelle Six. F6. FX ? Non, FX. Donc on va rester comme ça, tranquillement. Plein cœur du peloton. Non, là on n'est pas en plein cœur du peloton. On va aller suivre... on va aller suivre notre ami Deman, là. Parce que je vois qu'il est... Il est relativement bien placé. Deman, oui. Il est là, sauf qu'on va maintenant, on va en choisir un qui est un peu plus derrière, un peu plus derrière. Voilà. Voilà. Est-ce que tu pourrais pas te décaler un peu plus par là? Voilà, là t'es très bien mon coco, reste là, ne bouge pas. Allez. Est-ce qu'on aura une forme de merde? C'est totalement impossible. Hein. On commence à revenir sur l'échappée, le peloton 4 minutes 08. Il faudrait, ce serait bien.
tout cas, ouais, c'est une course où on a les possibilités de faire quelque chose. Encore faut-il être, être assez bon pour pouvoir faire quelque chose. Mais j'étais quand même assez déçu de cette montée de niveau là. Je pensais avoir quand même plus de points que ça. On n'a pas des masses progressées finalement. C'est un peu dommage. C'est bon, on a eu notre ravitaillement. Et ça passe et ça passe. Et le temps commence à fondre un peu. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il est tout seul, mais il arrive à tout faire. Ah, si, on a une petite flèche vers le haut, tiens. Là. Étonnamment. Étonnamment, on a une petite flèche vers le haut. Serait-on en forme pour une étape? Il y a mon équipe qui bosse pour moi. Bah, il serait temps, les gars, parce que bon, là... Ouais, l'écart qui descend un petit peu. Et non, finalement, on est en moins 2. C'était un fake. C'était un fake. On est à moins 2. Et quasiment tous nos collègues, dont il y en a un qui est en moins 4 quand même. Mais tous les autres, ils sont soit 0, soit positifs. Mais pourquoi c'est tout le temps moi qui suis en négatif, hein? On peut m'expliquer. Putain, j'aurais bien voulu, moi, avoir les points que je pensais avoir dans les compétences. En fait, j'ai été niqué sur cette montée de niveau. J'ai été totalement niqué. On est toujours à moins 2. Et ça passe. Et ça passe, et ça passe. 50 km de l'arrivée, il reste que plus que 2 minutes 40. Non, ils ont bien repris le garçon. Ah. C'est Tanner qui a lâché. On va se méfier parce que là, c'est plus mes coéquipiers qui ont pris le peloton en main. Bah, 37 km, c'est trop tôt pour une attaque. Une 20. Il est devant. Il est là-bas. Oui, il est là-bas. Une 0-3. On va aller un petit peu se placer. Un peu plus correctement. Voilà, je vois que... Hop, on va se mettre derrière ce garçon-là. Se mettre dans la roue. 41, il y a du vent. On est à moins 1, du coup. Et on a des potes qui sont à plus 4 et plus 5. Il y en a un qui est à moins 1, par contre. Le mec, il est pas en forme quand il faut. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il est juste il est en mode je conduis le peloton. Lui. Une vraie mobilette. Une vraie mobilette, le garçon. Non, on va se mettre tranquillement. On va rester tranquillement derrière. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. L'autre, il est à 47 secondes. C'est que dalle. Là, ça va monter. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Ça va monter, mais c'est pas grave. On est à moins 1, donc je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose sur cette étape. Hein. Le peloton vient de reprendre les échappées. Voilà, l'échappée a été reprise. On va se retrouver une bonne place parce que là, j'ai pas envie de me faire lâcher. Il est là, l'échappée. Le peloton a augmenté son allure. Je sais pas si ça vaut pas plus le coup de faire des échappées plutôt que de rester dans le peloton. Parce que quand tu fais des échappées, au moins, tu gagnes de l'XP parce que tu fais des échappées. Tandis que si t'en fais pas, et bah du coup tu gagnes pas d'XP, même si t'as un putain de maillot, tu gagnes pas d'XP bonus quoi. Ça c'est un peu de l'arnaque quand même. Alors que c'est plus valorisant d'avoir un maillot que d'avoir fait une échappée. Ah, moi ça me paraît normal quand même. Encore 15 km à parcourir. 15 km, il faut se méfier des attaques adverses. Malheureusement j'ai plus beaucoup de ravito. On se positionne bien comme il le faut. Est-ce que si là, on se met en mode ouais, vas-y, effort curseur, vas-y, j'y vais comme un ouf. Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose? Non, on va se mettre derrière le garçon. Vraiment très fort.
n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Non, ce n'est effectivement, ce n'est pas possible. On se met vers les hommes de tête. Hop. Attaque de Van Ender. Allez, je voudrais attaquer s'il vous plaît. Voilà. Encore 10 km à parcourir. Apparemment, c'est Gaspar Auto qui vient de partir en contre-attaque. Hop. On va se mettre dans le bon groupe. Ça roule ultra fort. Les gares se creusent, plus de 2 minutes. Le peloton semble laisser filer. Il ne sent plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Chaud, chaud, chaud. Allez, on va se mettre en effort curseur. On va faire le cochonou. On va faire le cochonou. On va faire le cochonou. Et on va l'emporter. On va l'emporter parce qu'on a une longueur d'avance. On l'a passé. On est passé. On est passé. C'était chaud. C'était chaud. J'ai attendu le dernier moment pour faire un sprint. C'était chaud, mais c'est la victoire d'étape. C'était une étape. J'avais vu juste. C'était une étape qu'on pouvait remporter, on était favoris, on a bien tenu notre place pour une fois. Ça fait plaisir. Voici maintenant les meilleurs moments de la course. Tu te fous de ma gueule. C'est quoi cette caméra? C'est quoi ces meilleurs moments? Ah ouais, c'est le mec en échappé. Waouh. Waouh. Impressionnant les meilleurs moments. Yeah. C'est qu'il y en a des vaches quand même, hein. Oh là, c'est la reprise de l'échappée. Incroyable, la reprise de l'échappée par le peloton. Et là, c'est l'arrivée au sprint. Il a failli me rattraper, cet enfoiré. Et j'ai imposé mon sprint. Là, j'aurais pu sprinter plus tôt, mais j'ai dit non, j'attends le dernier moment. On finit premier, donc, sur cette étape. Ça fait plaisir. Notre équipe finit sixième. Et on a gagné le Grand Prix de Wallonie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On finit premier. Et on gagne même pas de l'XP bonus pour avoir fait ça. Est-ce que c'est pas une vieille arnaque? Moi, je trouve que si. 2 500 € pour avoir gagné ça, ça fait plaisir. Ça fait totalement plaisir. C'est quoi, là, cette course? Oula, cette course, on va pas la jouer. C'est trop plat pour nous, ça. C'est trop pas pour nous et c'est fait pour les mecs qui sont bons au pavé, effectivement. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la simuler ensemble joyeusement. Voilà. Et on finit 53ème à 1-0-4. Qui c'est qui gagne? Bah, le favori, je crois. Tranquillement. On n'a pas gagné d'XP, hein, parce qu'on a gagné cette course. Ce qui est quand même totalement stupide. Je suis sûr qu'on aurait fini deuxième, on aurait gagné d'XP. On a notre dernier tour de la saison. Voilà, c'est le tour de l'Euro Métropole. Est-ce qu'il nous est favorable? Je me souviens plus. Ah non, encore cette étape-là, après. Enfin, ce truc-là. Donc on simulera sûrement. Le tour de l'Euro Métropole. Ah oui, qui sera d'un ennui absolu. Peut-être qu'on pourrait chercher un maillot à poids. Je ne sais pas. C'est quoi la première étape? Ouais. Pourquoi pas, ouais. Un petit maillot à poids parce qu'on va pas pouvoir faire grand-chose à part ça. Du coup, un maillot à poids. Là, c'est catégorie 3-3. Ouais, donc il va falloir faire des échappées. On va s'essayer à l'échapper sur ce tour de l'Euro Métropole. Donc on va avancer jusqu'à ce tour-là et on s'arrêtera ici. Ou non, on va directement s'arrêter ici. Hein. Ça vous évitera de vous taper l'avancement jusqu'à là-bas.
Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur Pro Cycling Manager 2015. Allez, ciao.